La robe n'est plus seulement l'indispensable des élégantes. Ici, elle est aussi le must-have des gourmets. Voilà ce qu'on peut lire désormais dans l'édition 2017 du Guide Michelin. La robe, c'est ce restaurant de Montaigu. Et son chef, Xavier Giraudet, vient tout juste de décrocher sa première étoile. Il a appris la nouvelle par téléphone ce mardi. On n'y croyait pas. Personne n'y croyait. Et bon, c'est la surprise pour tout le monde, quoi. C'était extraordinaire, quoi. Bon, après, il a fallu garder le secret. C'était très, très frustrant de garder ce secret-là, parce que du coup, c'est vrai qu'on a envie de le dire à tout le monde. Donc moi, j'ai prévenu ma femme tout de suite, j'ai prévenu ma maman. Enfin bon, tout le monde était heureux. Xavier Giraudet rentre tout juste de Paris avec une toute nouvelle veste et des étoiles plein les yeux. Mais le chef s'est remis immédiatement au travail, car désormais, avec une étoile, beaucoup de choses vont changer, sauf ses menus qui resteront les mêmes et au même prix. C'est à la carte que le chef va se faire plaisir, avec des produits plus nobles et plus chers qu'il n'osait pas travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça y est, on peut. On peut travailler ce genre de produits sans complexe. Et puis sans crainte de se mettre un peu dans le rouge. Parce que bon, on a repris que depuis un an et demi, donc le temps de se faire une trésorerie. Quand on a repris, on a fait quelques travaux en cuisine, on a acheté un fourneau, on a acheté un nouveau four. Et oui, car d'argent, il est aussi question quand on parle étoile en restauration. Désormais, Xavier Giraudet peut voir venir, comme on dit. Car avec sa nouvelle notoriété, c'est une nouvelle clientèle qui va pousser la porte de son restaurant. C'est un cadeau, c'est 25% de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est quand même énorme, quoi. C'est sûr, ça? C'est certain. Bon, je connais quand même pas mal de chefs étoilés. Ouais. Ils m'ont tout le temps dit tout ça. Donc bon. Après, c'est à nous d'être bons, hein, et puis de satisfaire tous les clients, de continuer à faire correctement notre travail. Garder son étoile et pourquoi pas en décrocher une deuxième. Mais ça, c'est une autre histoire. Chaque chose en son temps.